tout le monde, c'est un truc de fou. Non, pas besoin de vous parler et tout, de vous dire bonjour, même si je l'ai déjà dit. Je viens d'acheter mon Pumski. C'est une petite femelle, elle va s'appeler Kaki. Voici ma trottinette toute pétée. La poubelle. Bon, excusez-moi. Et voilà. Hein? Alors, c'est un truc de ouf. Bon, ça c'est ses croquettes. Je vais vous expliquer l'histoire de malade que j'ai eue. Voilà. C'est ses croquettes, c'est de la cacahuète en poudre. J'ai rien compris à ce qu'il m'a expliqué, mais bon, voilà, je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au début, je devais l'acheter de chez un éleveur. Mais l'éleveur, il vient chez moi, il me dit non, parce que c'était à la base un mâle. Il me dit non, j'ai besoin pour la reproduction. Donc, je lui dis d'accord et tout. Il me pardonne et tout, il me passe. Même, c'est 50 euros, c'est un truc de ouf. Et quoi? Je pars au marché aujourd'hui des chiens. C'est la foire aux chiens, excusez-moi. Et je trouve magnifique parce que c'est une femelle. Je vais l'appeler Kaki. En plus, à la base, je voulais une femelle pour l'appeler Kaki. Voilà. Attendez, je vais vous le montrer. Je vais, du coup, vous la montrer. En vrai, vous savez quoi? Je vais vous la laisser pour après. Une surprise. Allez, let's go. On monte sur ma petite trottinette de luxe. Ah oui, pour ceux qui se demandent, je vais essayer le samedi prochain, je vais acheter une nouvelle bicyclette. Enfin, c'est ce que j'ai prévu. Voilà, let's go. On va prendre la route avec Kaki. J'avoue, j'ai un peu de route. Mais on va faire avec. Fallait pas que je prenne ma trottinette, mais bon. Voilà, let's go. Bon, je vais pas vous filmer toute la route, ça va prendre toute ma vidéo. On se retrouve à la maison. Petit changement de programme. J'ai rencontré un ami à moi sur la route. Il a pris Kaki, il va l'emmener à la maison. C'est mon voisin, gros. Allez. Mon loulou est là. On rentre à la maison. C'est parti, bébé. Qu'est-ce que vous en pensez de mon petit panier? Dites-moi en commentaire. C'est stylé. Bon, je vous laisse après avoir ouvert la porte. Enfin arrivé. Waouh, ça fait du bien. Flemme de fermer la porte. Ah, non, je rigole, après je vais le faire. Voilà. Au petit Kaki. Ah merde, parce que je lui avais enlevé tout ce que je lui avais fait. Putain, Kaki le pauvre. Allez, vite fait, on va lui préparer sa bouffe. Bon, les gamins, ça coûte archi cher. Je lui ai mis celle en plastique, c'est pas grave. On m'a dit qu'elle est bien levée. On m'a dit c'est pas grave si tu me mets ça. On m'a dit c'est pas grave. Ok. Bon, après on va lui mettre deux coussins. Six voire plus. Putain, j'ai casé les paniers avec mes vestes. Laisse tomber. Alors. Même si ça va rallonger la vidéo. Mais c'est pas grave. Voilà, un très beau lit. Même s'il est 10 fois plus grand que lui, c'est pas grave. Ouais, le truc là de la vache. Attendez, je vais poser ça. Le truc de la vache. Il était dégueulasse, donc je l'ai enlevé. Parce que mon appart et tout, c'est pas... Mon studio, c'est même pas mon appart. Alors, une baballe. Elle est où la baballe? Elle est où la petite baballe? Je l'ai vue en plus. Merde. Ah, attendez. Elle est où? Elle est où la baballe? Ah voilà. Je vais en acheter un paquet en plus. C'est la dernière qui reste. Il va jouer avec. Quoi d'autre? Ah oui. Vu que c'est la Hesse en ce moment, regardez le bon plan que j'ai trouvé comme laisse. Archi bon plan en vrai. Voilà, ne vous foutez pas de ma gueule, hein. Elle marche bien. Voilà, tranquille. 2 euros, ça fait l'affaire. Let's go pour le faire sortir. Ça, sa nourriture. Bon, je vais la passer là. Peut-être il va... Oh, merde. Je cale mes deux pieds. Je cale. Putain de merde, ça avait un magnifique plan sous mes pieds. Laissez tomber. Dès que j'ouvre,
C'est bon, j'ai ouvert. Kaki! Il y a le petit kaki. On va le poser sur ça. Ici. Pour le petit gars. Alors, pour la bouffe, 2 secondes. Déjà. Est-ce que je vais vous laisser en plan sur kaki? Donc, j'essaie de vous mettre en plan sur kaki. Comment je puisse travailler? Non, ça peut se voir mon plan ici. Ah, quoi que ici. Okay. Je vais essayer. Ah. Voilà, je vous ai laissé en place le café. Je vous reprends avec moi. Vous voyez sa gamelle. Wesh, merde, j'ai foutu le bordel. Attendez. Putain de merde. Bon, j'en ai partout en plus. D'échange, tout ça. Je vous reprends. C'est bon, tout est nettoyé, comme si rien n'est fait. Alors, en fait, c'est de la cacahuète avec plein d'autres aliments. D'ailleurs, il y a un petit peu de cacahuète, regardez, qui n'a pas été haché. Vous voyez le focus. Bon, j'ai un peu rangé ma chambre. Voilà ma petite de maisonnette. Alors déjà ça, je vais le foutre ici, là. Je vais le coincer ici. On va le foutre ici. Ah, regardez mon téléphone fixe. Je le cherchais en plus il y a 2 semaines. Alors là, putain, j'ai ramené une femme de ménage dans le studio parce que j'avais la flemme de faire le ménage. Regardez. Où elle me l'a foutu. J'ai eu 0 appel, tant mieux. Parce que cette fois, j'avais mon tel qui ne s'est pas cassé. Alors, voilà. Kaki. Oui, donc. Oui, Kaki. Oui. C'est bon, mon garçon. C'est bien ça. Oh, maman, il va me foutre le bordel, celui-là aussi. Allez. Bon, là un peu mangé, c'est déjà ça. C'est bien, bon, je vais remettre ici mon petit packaging et je vous reprends. C'est bon, j'en ai mis partout, j'ai rejeté ici dans ma fenêtre. Voilà, Kaki se remet debout. Et en plus, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? On a le petit veto. Donc voilà, je vais m'allonger un peu avec Kaki. Bon, et ce qui se demande, je vais laisser dormir sur mon lit. En plus, il a envie. Voilà. En plus, on doit y aller chez Veto pour qu'on puisse le balader. Allez. Oh putain. Il est en train de marcher sur la tête du kaki, je le suis. Là, vous êtes. C'est Kaki qui marche là. Regardez, il vient de sauter sur mon lit. Kaki! Kaki la fripouille! Kaki la fripouille! Ok, c'est bon là. Là, je vais le laisser un peu tranquille. Ah putain, en vrai. Je vais me taper une petite série Netflix avec mon petit pro, un petit milkshake. Let's go! Let's go. Et Kaki, il est là-bas. Donc, il est en train de faire sa petite sieste. Je vous reprends d'ici quelques heures. C'est archi bon pour ceux qui se demandent. Je
pas fermé ma porte, c'est vrai ça. Ah oui, et à la base, je voulais un petit bulldog, mais bon. J'ai flashé sur Pumsky, un petit Pumsky. Donc voilà. Je vais vous sortir une vidéo où je vais l'emmener chez le veto. Allez, ciao! Petite information, en petite voix, faut savoir que la vidéo a été tournée le 20. Donc voilà.